Planète Football ne s'arrête jamais de tourner. Nous sommes en direct jusqu'à 20h45 sur Blue Zoom. 45 minutes consacrées à l'actualité. C'est match après match. Bonsoir, soyez les bienvenus. Ce soir, euh, nos débatteurs ont pour nom Jérémy Crétin. Euh, Jérôme Crétin, voilà. Bah, J'étais sûr que j'allais j'allais euh, euh, tromper. On en a rigolé juste avant le la prise d'antenne. Jérémy, Manière et Tiberpont, là il n'y a pas de doute possible. Bonsoir, euh, messieurs. Le, le sommaire de cette émission euh, nous amènera sur la scène européenne. On va parler de Kylian Mbappé qui a brillé cette semaine face au Real Madrid. Est-ce que l'on peut affirmer à ce stade qu'il est le meilleur joueur actuel au monde Le championnat suisse a vécu aujourd'hui des fins de partie à Zurich et à Sion assez palpitantes. Tout, absolument tout sourit au FC Zurich plus que jamais en route pour son 13e titre. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas, messieurs Et enfin, le Lausanne Sport hier soir a concédé sa sixième défense. Fête consécutive. Où s'arrêtera la chute vertigineuse du LS, qui, on le rappelle, dimanche prochain affrontera le FC Lucerne au stade de la Tuilière. Voilà, nous sommes partis avec euh, cette première thématique. Hein, messieurs, Kylian Mbappé a, a brillé face à face euh, au Real. Est-ce que déjà, dans un premier temps, vous avez euh, apprécié le, le spectacle et apprécié euh, cette prestation euh, de l'attaquant français bon, C'était une... exceptionnel. Moi, j'en ai encore. Euh... Je n'ai encore tout plein d'émotions. C'était une grande, grande, grande partie. Il a pris un peu son équipe avec lui. Parce que pour une fois, cette saison, le PSG a fait un grand match d'un point de vue collectif, ce qui n'est pas le cas souvent en Ligue 1. Ouais, prestation aboutie de Kylian Mbappé, qui a encore une fois fait la différence en fin de rencontre pour les Parisiens. C'était un, un très grand match. Sur la scène européenne, c'est 14 buts inscrits, le Paris Saint-Germain, depuis le début de la phase de poule et le match de mardi dernier. 5 buts, 6 passes décisives. Alors on ne peut oui, pas se passer de Kylian Mbappé. Actuellement. Non, en tout cas, actuellement, au PSG, c'est le plus décisif. C'est le plus décisif dans le championnat de France et en, en Coupe d'Europe. C'est impressionnant, ce qu'il fait, honnêtement, parce qu'on peut se dire, ouais, euh, il fait ça quand le championnat de France, mais à chaque fois qu'il y a un événement, un grand événement, ce joueur répond présent. C'est impressionnant, la force mentale qu'il a quand même, parce qu'il est attendu tous les week-ends, en France, en Europe, et il répond présent tous les week-ends et, et toutes les semaines. Donc, c'est vraiment chapeau, chapeau à lui. Et puis, on va voir jusqu'où ça va le mener. Moi, ce que je trouve impressionnant, en plus, c'est que. Il joue très très souvent avec le PSG, avec l'équipe de France, en Ligue des Champions aussi, qu'on débloque très bas. Où il n'est pas forcément capable de tout le temps exploiter sa vitesse, sa capacité de se projeter dans la profondeur. Et même qu'on débloque regroupé, il arrive par sa technique... Ce qui n'était, je rappelle, hein, au début de la carrière de, de Kylian Mbappé, certains euh, détracteurs lui disaient que c'était un tout droit, comme on dit, hein, que techniquement, il y avait encore du boulot, qu'il allait juste vite. Et au final, malgré ses blocs bas, malgré le fait qu'il a, a des prises à deux contre lui, il arrive toujours à trouver une solution. Il a, il a élargi sa palette depuis ses débuts en pro. Il est capable d'enrouler des frappes de loin, il est capable de tirer des coups francs. Enfin bref, je laisse Jérôme continuer à en parler, parce que moi, je, pourrais, y... en toute la... <laughs> je pourrais en parler toute la soirée. Est-ce que c'est le meilleur, du coup Bon, moi je pense qu'on a parlé de deux choses. On a parlé de ses qualités intrinsèques et puis on a parlé aussi de ses statistiques que je ne connaissais pas puisqu'on m'avait interdit de les, de les regarder, les statistiques. Mais je pense qu'il y a encore un autre point qui est important sur le, le but face au Real, c'est le moment. Euh, c'est le seul but déjà, il est décisif et il est, il est tardif. Euh, il est beau, c'est une chose, mais il est au bon moment. Il est face à la bonne équipe probablement aussi euh, actuellement puisqu'on connaît l'histoire qui se passe avec, avec le Real, même s'il si semblerait qu'aujourd'hui encore il y ait des, des, des rebondissements à ce sujet. Mais enfin, on l'en voit quand même. Souvent au Real. Alors, oui, encore le match retour en l'occurrence, mais, mais c'est assez impressionnant. Comme à son âge, quand même, il est décisif dans des moments clés, clairement. Et, et en fin de match, en l'occurrence, face quand même à au Real, face à Courtois, face à, à deux joueurs, parce que c'est quand même du 1 contre 2, on l'a vu, c'est fait brillamment et c'est fait ouais, vraiment au bon moment. Alors, avant de se positionner, est-il le meilleur du monde euh, Thibert, j'ai déjà votre avis. Il est le meilleur de son équipe vous venez de le dire. Il euh, y a Neymar, il y, y a Messi, et on parle que d'Mbappé. Ça, si, c'est hallucinant. Il a 23 ans, le gamin. Non, mais il a pris le PSG euh, sur ses épaules depuis le début de saison. J'ai regardé le 90% des matchs de cette équipe. Il euh, y a des joueurs qui le suivent. L'homme le, le, phare de ce PSG, c'est Kylian Mbappé, 23 ans, champion du monde. Il y, y a rien à dire sur ça. Même Messi, je ne veux pas dire qu'il se met au service d'Mbappé, mais c'est Messi le passeur pour Mbappé et qui finit les actions et puis qui, euh, et qui fait gagner son équipe. Parce que Messi, voilà, c'est pas le thème aujourd'hui. On pourra en parler. Neymar est est trop souvent blessé. Icardi, euh, il est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que, que, que sur le terrain, enfin peu importe. Il y a une classe d'écart entre Mbappé et puis ses collègues de l'attaque actuellement. – Je reviens juste sur l'aspect mental, c est, c est, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a tout ce contexte aussi euh, par rapport au Real Madrid. Tous les, tous, tous les journaux qui parlent de ce transfert au Real Madrid, euh, pour lui ça ne doit pas être facile non plus. Les, les supporters aussi qui l'ont chahuté un petit peu euh, ces, ces dernières semaines parce qu'on pense qu'il va partir, etc., il arrive à passer outre et à faire ses performances, et ça, je trouve vraiment impressionnant mentalement. Moi, j'aimerais vous amener quelques mots en arrière. Euh, on voyait à Kylian Mbappé bougon, euh, que certains osaient même prétendre attraper un peu le, le melon. Euh, il y a 7 euros manqués avec l'épilogue que l'on sait. Est-ce que Yann Sommer n'a peut-être pas rendu service à, à Kylian Mbappé Parce que depuis, on a l'impression que mentalement, il a passé encore un cap. Qui travaille encore deux fois plus avec les résultats euh, que, que vous voulez d'énumérer, de, 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 Jérémy on Au votre Jérôme. <laughs> non, mais que Jérémy vient d'énumérer, je suis tombé, là. On va y arriver. <laughs> Jérôme Parce que pour de vrai, c'est Jérôme, hein. oui. Jérôme. Je vais vous mettre une petite étiquette. <laughs> non, mais alors, effectivement, euh, je ne peux être que d'accord par rapport à, à, au fait que le, le, le pénalty manqué, ou plutôt arrêté par, par sommaire, l'a plus relancé que que traumatisé. Il a presque fait tout juste euh, sur le plan sportif, mais aussi sur le plan euh, extra-sportif, Il faut quand même être costaud à, à son âge, euh, alors qu'on prenait peut-être, euh, comme on disait, des, euh, des euh, mauvaises directions direction. un petit peu euh, voilà, divergentes. Mais en, en l'occurrence, c'est pas le cas. Euh, il a géré, il gère encore assez bien, je trouve. Euh, ces rumeurs qui, qui l'envoyaient ou pas au Real et, et tout, ce qui, tout ce qui est là autour avec euh, une reconduction de contrat, les millions qui vont avec. Donc effectivement pourquoi pas dire euh, Sommer l'a relancé, c'est peut-être un peu, un peu gros mais disons en tout cas il n'a pas été déstabilisé aussi jeune soit-il par le fait d'avoir une élimination précoce surtout entre guillemets par sa faute. On aime bien utiliser la, la métaphore mais que son père l'a relancé, mais du coup, le, le fait que son contrat arrive à terme et qu'il soit libre aussi de, de choisir quelque part, il, il tient le, le, le couteau par le manche, est-ce que ça aussi, vous parlez de pression, mais est-ce que ça aussi, ce n'est pas peut-être plutôt pour lui une libération Vous avez raison, c'est vrai que c'est un paramètre à prendre en compte, le fait qu'il soit libre cet été. Est-ce que ça le libère vraiment Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'il arrive à faire abstraction de tout le contexte et de toute l'agitation qui règne autour de, 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 de sa personne euh, il fait les titres des journaux euh, super régulièrement. Euh, il est attendu, comme je l'ai dit, il est tout le temps attendu par les défenseurs, mais par la presse aussi, qui, 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 qui a un œil particulier sur lui. Donc il a un traitement vraiment qui est à part, mais il fait des performances quand même à part, et c'est ça qu'on que, qu trouve vraiment... vraiment... Très fort. Bon messieurs, on a tendance toujours à mettre en avant les, les attaquants. Regardez la belle brochette euh, euh, avec laquelle euh, Kylian Mbappé est en train de, voilà, de, de, de se mettre sur le, le devant de la scène. On a, on a Messi, Ronaldo peut-être, voilà, qui, qui sont en train de passer la main. On a Lewandowski là au milieu, hein, qui mériterait d'être... Euh, d'être récompensé mais qui ne l'est toujours pas et puis est-ce que le nouveau duel il en manque un pour moi mm -hmm. pour moi là il en manque un il a... Non, Mohamed, euh, Mohamed Salah qui fait une, une saison stratosphérique à Liverpool qui a des stats incroyables qui est peut-être dans l'impression visuelle un petit peu moins euh, flamboyant qu'Mbappé moi Mbappé j'allume ma télé pour voir ce genre de joueur Mo Salah un peu moins parce que c'est quand même plus euh, chirurgical plus, euh, plus efficace peut-être pas plus efficace mais plus dans la statistique plus euh, égoïste parce que Mbappé cette année il est quasiment autant passeur que buteur euh, voilà, c'est difficile de le comparer à des à des Messi, à des Ronaldo qui sont des légendes de ce sport et qui ont 35 et 37 ans. Par contre, actuellement, on est le où On est le combien Le 20 février aujourd'hui. Moi, si je dois me mouiller, je dirais Kylian Mbappé est le meilleur. l'un des blessés Ronaldo a des difficultés à Manchester United. Messi euh, vieillit gentiment. et n'a plus le coup de rein physique pour faire des différences en un contre 1 comme il le faisait auparavant. Il reste finalement notre cher Kylian, Lewandowski et Salah. Partager okay. cette analyse Alors, moi, je voulais en rajouter aussi un, mais ce n'était pas, pas le même, finalement. C'était plutôt un qu'on mettra euh, la saison prochaine. Euh, en avant, c'est Vlaovic, dont j'ai déjà parlé, puisqu'on parlait des transferts. Euh, Vlaovic, qui, pour moi, est un joueur, euh, un attaquant, évidemment, et prometteur, qui est, qui est jeune. Il y a quand même un, un grand écart hein, entre, entre les plus vieux euh, de cette affiche et les plus jeunes. Il n'y a personne qui a, qui a 28 ans ici. Ils ont soit plus que 30, soit moins que 25. Et Blaovic, pour moi, c'est aussi un joueur. Euh, ah, mais là, on du parle du, du meilleur joueur du monde. Là, on est encore temps. C'est ce que je, je dis. Je, je, je le placerai plutôt, euh, plutôt la saison prochaine pas comme meilleur joueur du monde. Mais avec, avec ce qu'on qu a là, je pense qu'il aura à un moment donné sa place. C'est un petit peu vite. Ouais. Et, ouais, je suis un petit peu sorti du, joueur du monde, meilleur joueur du monde à meilleur attaquant, en tout ouais. cas, dans ceux qui auront des, des, des grosses astuces. Blaovic qui va jouer son premier match de Ligue des Champions cette semaine. On sort du cas du, du débat, mais effectivement, on va voir aussi sur la, sur la scène européenne. Compliqué de faire, euh, Tiber avec des oui. joueurs euh, à vocation défensive quand on parle de meilleur oui, joueur du monde. Oui, effectivement. Euh, toujours les mêmes de... on la, ont la lumière sur. Eux, Exactement. On met toujours les attaquants en lumière. On, on met que... des gardiens aussi. Ouais, ou des numéros 6. <rire> <rire> oui. Mais oui, si important à l'équilibre du, du monde. Exactement. Non, c'est vrai que je ne suis, suis pas très fan de ce débat autour du meilleur joueur du monde. C'est toujours, de toute façon, le. Le, le, à l'instant T. Euh, c'est euh, très subjectif. Voilà, et c'est très subjectif. Donc, euh, Bien sûr que vous les avez, vous les avez tous cités, c'est des joueurs euh, fabuleux, et comme tu l'as dit, le, le, je pense que le, 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 le vrai avenir, c'est des Vlaovic, c'est des Haaland aussi, et c'est des Mbappé qui, dans les années à venir, vont, vont euh, truster les, les, les places du Ballon d'Or, forcément, parce qu'on attribue toujours à des attaquants le Ballon d'Or. Et du coup, euh, Mbappé doit partir, mais où tout le monde l'annonce au Real s'il veut prendre encore une, une dimension supplémentaire. Moi, moi, je suis très réticent à cette idée de signer à tout prix au Real Madrid parce que pour moi, le timing pour signer au Real, il n'est pas forcément optimal. Le Real est premier de son championnat, ok, mais ce n'est pas un énorme Real Madrid non plus. Est-ce qu'il aurait vraiment à gagner à part connaître un, un nouveau championnat, un championnat qui est peut-être... Meilleur que la Ligue 1, malgré le fait que la Ligue 1 est pas mal cette année. Ok, il veut changer d'air, il a fait le tour en Ligue 1, il l'a affirmé. Par contre, est-ce qu'au change, il trouverait en Madrid une meilleure équipe que ce qu'il a actuellement au PSG Je ne suis pas convaincu, même si on a vu un PSG très mauvais hier contre Nantes. Mais sur la scène européenne, j'ai l'impression qu'actuellement, il a plus de, la possibilité de, de, de se montrer au PSG qu'au Real. intéressant, en tout cas, de le voir dans un autre championnat que le championnat français. On a beaucoup parlé de la relation du PSG. Avec le championnat français, où c'est trop facile, et du coup après ça devient très compliqué en Coupe d'Europe. Moi j'ai l'impression que c'est l'effet inverse pour, pour Mbappé, que ce championnat français, parce qu'il marque tout le temps, donc il reste en confiance. Un buteur, on sait que c'est ça qui alimente évidemment sa, sa percussion, sa force offensive, ses statistiques. Et le fait de marquer dans un championnat un peu moins relevé que, que, que d'autres championnats fait qu'il est performant aussi euh, en Champions League. Peut-être qu'il aura des stats un petit peu plus basses euh, au Real, peut-être que Benzema lui fera un peu plus d'ombre que Messi ne lui fait actuellement, et puis que ça sera peut-être plus compliqué ensuite d'assurer de, de les statistiques en Coupe d'Europe. Un Real vieillissant, en fin fait, de cycle, du coup c'est une prise de risque. Enfin, non, pff, oui et non, je veux dire c'est quand même le Real, ils vont de toute façon jouer euh, les, les premiers rôles, vont jouer le titre, les premiers rôles, ils vont jouer le titre en, en championnat d'Espagne, ils vont essayer de gagner la Coupe d'Europe. C'est un défi fabuleux pour Mbappé, c'est changer d'environnement, c'est prouver sa valeur ailleurs dans un championnat aussi. Euh, qui a des caractéristiques complètement différentes que celui de, de la France. Donc, euh, c'est un défi. Pour ce jour-là, c'est un, un, un défi pardon, euh, fabuleux que d'aller au Real Madrid. Et eh bien voilà pour ce premier débat Kylian Mbappé on le suit sur Blue Sport via la Ligue et forcément nous serons présents pour le match retour qui s'annonce alléchant entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. On laisse de côté la scène européenne, on va se plonger sur l'actualité. On commence par l'actualité dominicale avec Osons le dire, le coup d'arrêt qui a sanctionné le début d'après-midi du FC Zurich, qui restait sur neuf victoires consécutives devant des euh, valaisans euh, courageux, orgueilleux, solidaires. Le FC Zurich a été accroché, mais, mais il reste euh, toujours euh, à l'affût. La, à Et regardez, à la 97e minute, Marquezano, euh, après l'intervention de l'Avar, euh, transforme à, à penalty. Logiquement accordé par euh, euh, M. Scherrer, euh, le FC Zurich euh, reste en tête et un peu plus tard, euh, Young Boys, lui, dans le même laps de temps, va concéder l'égalisation sur la pelouse de grasse au père à la 95e. Messieurs, tous ces éléments euh, mis bout à bout euh, font qu'il à... reste quoi 14 euh, journées de championnat, le FC Zurich compte 10 points d'avance, C'est plié, 13e titre. Euh, plus qu'en vue Non, c'est pas plié parce qu'il reste des confrontations directes. Alors, il y a un matelas qui est ultra confortable, c'est clair. Il y a un, Zurich, un FC Zurich qui marche sur l'eau, qui, même lorsqu'il n'est pas forcément bon, fait des points comme aujourd'hui euh, à Sion. Par contre, quand on voit l'Euphorica euh, en ramenant ce point de Sion, on se dit vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Et je suis d'avis que. Parfois, des matchs nuls comme ça, obtenus à la dure dans les derniers instants d'une rencontre, ça peut être encore plus fondateur que des victoires acquises un peu facilement. Ça va justement donner un petit boost, ça va donner encore un élan, une euphorie peut-être qu'ils qu avaient plus parce qu'ils étaient dans cette routine où ils accumulaient les victoires, où ça devenait presque normal. Et ce résultat-là, euh, couplé à la contre-performance de Young Boys, pourrait faire justement que, que, que Zurich va, va enchaîner. Bon Jérémy il nous dit non mais au final il nous dit que tout euh, <laughs> est positif pour, euh, pour Zurich. Tous Parce les jeux sont en vert, mais par contre pas, le titre n'est pas encore joué. Oui, je sais, 42 points. Vous allez me faire la... la, la non, j'avais le pas le J'avais pas, le, pas mais, la stat. Mais on est d'accord que... Dans la dynamique, c'est une journée de plus en moins à disputer et vous gardez 10 points d'avance. Donc ce soir, mieux vaut être dans le bus du FC Zurich sur le chemin du retour que dans le bus de, de New Boys. C'est toujours plus agréable d'égaliser soi-même que de se prendre l'égalisation en fin de match. Donc c'est vrai que dans la, dans la tête de rentrer à la maison avec le plan du FC Zurich, eh bien, euh, ça continue la dynamique, comme tu l'as très bien dit, Jérémy, malgré tout, d'arracher comme ça un point à l'extérieur, c'est hyper important dans une saison. Et puis, c'est peut-être le point qui fera la différence, on ne sait pas. Donc, oui, bien sûr que Zurich est dans une position hyper favorable. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont quelque chose qui ressemble fortement, quand même, à la chance du champion, cette saison. Vous avez suivi d'un oeil très attentif cette, euh, cette rencontre pour euh, les émissions précédentes euh, diffusées sur Blue Sport. Qu'est-ce qui vous a frappé aujourd'hui si on se focalise sur le FC Zurich bah, Que les événements euh, tournent en leur faveur. Ce n'est pas, pas forcément de la réussite parce que les décisions arbitrales euh, étaient correctes. Le fait qu'il y ait autant d'arrêts de jeu, c'était correct. Euh, mais une nouvelle fois... Des éléments, soit la chance, soit le poteau qui rentre, ou des choses comme ça. En l'occurrence, des décisions fondées, mais quand même en faveur de Zurich, et puis ce penalty qui, qui tombe très très tard, qui est finalement plus cruel pour l'obsession qu'injuste qu au niveau de l'égalisation de Zurich. Mais je trouve que qu'on n'est pas du tout plus avancé que, le, que, que la, lors de la dernière journée. Alors, il y avait 45 points, maintenant il n'y a plus de 42, on a compris. Mais Bâle a grappillé deux points. Donc finalement, la situation globale de Zurich face à ses deux concurrents, elle est moins confortable puisqu'il y a 10 points sur, sur les deux, les deux formations. Il euh, y avait plus d'écart si on cumule les, 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 les deux équipes. Là, oui, et même temps, il n'y en a qu'une qui doit vous passer devant pour ne pas être champion, pas deux. Suivant Ça, ça, ça c'est juste. Et on ne peut pas cumuler les points. <laughs> non, je éthale. crois pas hein, non, Je non, crois pas. On peut cumuler les douze derniers <laughs> titres de, de champion suisse, mais pas les points. Non, non mais, mais par contre, là, les confrontations, il y a encore un point qui est important pour moi, c'est le calendrier. Euh, Zurich reçoit balle la semaine prochaine et puis ensuite se déplace contre les deux morts de faim. Enfin, en tout cas, deux équipes qui devraient jouer comme des morts de faim, c'est peut-être pas tout le temps le cas. En tout cas, <laughs> une des deux, probablement pas. Je parle de Lucerne et de Lausanne, hein, non, vous l'aurez compris. compris non, oui, ouais, oui. non, mais quand même, je précise. Et, euh, et de ce fait, je pense que dans trois matchs, euh, il y aura peut-être des points perdus contre, contre ces équipes-là contre Bâle aussi à domicile euh, dans le même laps de temps bah, si Bâle bat Zurich et gagne ses deux autres matchs et qu'Ibé fait la même chose puisqu'il n'y aura pas de bâle IB euh, dans ces trois matchs-là il euh, n'y a plus que 3-4 points d'avance et puis c'est fini puis on vient sur cette émission et on dit mais qu'est-ce qu'il racontait cette équipe sur ce plateau <laughs> il, il y a un élément que l'on avait jusqu'à ce jour et, et j'aimerais m'arrêter là-dessus pas constater c'est la grosse la grande plutôt nervosité euh, sur le banc sur le terrain euh, on a vu un, un FC Zurich probablement euh, chahuté par le dispositif tactif tactif tactique et, et la volonté des, des Valaisans mais, mais voilà c'est nouveau et Claude Grosse a peut-être mis le doigt sur un élément qui pourrait, pourquoi pas, donner de l'espoir à Young Boys et Bal, c'est que maintenant, Zurich, plus que jamais, croit au titre. Et ça, ça peut tout à coup, voilà, bon vous crisper, même si les éléments restent encore positifs, on peut se raccrocher à cela pour les téléspectateurs qui aiment le suspense. Effectivement, c'est vrai que plus, le, plus la fin de, de championnat se rapproche, plus Zurich va commencer à sentir la pression parce que euh, l'objectif il est là, on peut l'atteindre. Et puis euh, ce n'était pas du tout prévu, quoi. n'est pas Ball ou Ib avant la saison qui disent nous on va jouer ça. Eux, euh, voilà, c'était l'insouciance. Ok, au début on enchaîne les victoires, puis petit à petit on se prend au jeu. On est premier, on a une dynamique exceptionnelle, sûrement des, des liens spéciaux qui se créent mmh. entre l'équipe elle-même, mais aussi l'équipe et l'entraîneur, qui était nouveau, qui a aussi euh, eu des, des résultats très positifs euh, dans le passé en Allemagne. Donc euh, il sait comment motiver ses joueurs, il sait comment motiver ses joueurs à aller tout en haut aussi. Donc euh, ça va être super intéressant de suivre malgré tout cette, cette fin de championnat euh, avec la victoire à trois points, ça va quand même malgré tout très très vite. Jérémy, une équipe qui récolte 17 points lorsqu'elle a été menée ça montre quand même le, le, le caractère, la mentalité que marc Reiter a su à, à Brighter euh, ouais. oui. Tout à fait. Non, mais c'est les petits signaux qui font que, que qui montrent que l'équipe vit, que les, qui montrent que l'équipe euh, est performante sur le terrain et puis elle est capable de, de renverser des montagnes. C'est euh, voilà, c'est peut-être un peu la chance du champion, c'est le soupçon, le supplément d'âme dont on parle souvent. On ne sait pas trop ce que ça veut dire ce supplément d'âme. Bah, là, parfois, c'est ça, c'est se défoncer dans les dernières minutes pour pour récolter les points qu'il faut, comme c'est comme le cas aujourd'hui à Sion. Euh, c'est cet osmose c'est des choses qui sont assez irrationnelles au final et puis qui, qui font pencher la saison de, de, du bon côté pour, pour les Zurichois. Information que j'ai envie de vous donner. La dernière fois qu'un club a réussi à combler un retard de 8 points, c'est le, le score le plus, le plus élevé euh, remonté lors des matchs-retours. C'était le FC Zurich en 2006 qui avait repris 8 points sur le Cébal. Depuis plus jamais aucune équipe ayant une telle avance n'a cédé. Euh, un rapide tour de table euh, le 20 du 2 2022 à 20h22 ou presque. Euh, Jérôme, vous mettez euh, ce Défin soir... Le champion euh, Voilà. IB. EBay. Vous restez sur IB malgré les, les difficultés qu'on a, on a pu voir à saint aujourd'hui dans le jeu, dans l'assise la, dans défensive contre grâce au père Oui, ouais, je pense parce que euh, c'est une équipe qui va. Enfin, c'est pas une équipe parce qu'elle a beaucoup bougé, il y a beaucoup de blessés, euh, etc. Mais euh, c'est un club qui va, qui va s'appuyer sur, euh, sur son vécu mm -hmm. euh, très récent avec, euh, avec les quatre titres. C'est euh, ouais, une machine de guerre quand même depuis quatre ans, comme l'a été Bâle euh, juste avant. Donc je pense que. Ça, ça peut jouer aussi un rôle. C'est l'identité du club, plus que l'équipe, plus que les joueurs qui sont à disposition, mais le maillot qui porte les joueurs, qui, qui transforme les joueurs. Euh, je mets une pièce sur Zurich quand même. J'ai envie de changement et puis je trouve que c'est une belle aventure qui nous font vivre cette saison. En tout cas, le, le, le public hein, pour, euh, pour avoir vécu ça de l'intérieur et avoir euh, utilisé les transports publics pour, euh, pour me rendre au stade, je peux vous dire que plus que jamais, ils, ils y croient, ils notent déjà les matchs. On va se déplacer euh, à Lausanne, on va se déplacer. Euh, et, et ça, c'est aussi euh, signe qu'il y a un engouement dans la ville et on sait que Zurich peut aussi être une, une ville de foot. Votre, euh, votre pari, vous le posez sur euh, non, Je le mets sur Ribé aussi. Sur eBay. Pourtant, je suis très très mauvais. D'ailleurs, j'avais dit euh, Zurich euh, aurait une très très euh, difficile saison je suis très très bon pronostiqueur comme vous le voyez un hein, caracol en tête donc voilà euh, non je reste sur IB aussi euh, IB a un vécu Zurich a peu de joueurs qui connaissent ce genre de situation là et dans les moments qui comptent dans les moments chauds de fin de saison dans les matchs coup près dans les matchs décisifs dans les confrontations directes, ça pourrait avoir euh, une certaine importance surtout que j'avais euh, j'avais regardé pas mal euh, le match euh, Zurich IB où il y avait eu où, où Zurich avait fait la différence par Nianto à la fin du match euh, peu avant Noël et j'avais trouvé IB largement plus fort mais vraiment euh, voilà c'était j'ai l'impression que IB euh, avait 20 points d'avance sur l'FC Zurich ce jour-là euh, c'était pas du tout le cas finalement et, et voilà j'avais trouvé en général euh, IB plus fort que Ball plus fort que Zurich pour l'instant en tout cas hein, si on, on compare on met, on met Ball euh, de côté puisque il n'est euh, ni euh... Pour vous Tiber ni pour vous Jérôme et Jérémy votre votre prétendant au titre Young Boy c'est quand même la scoumoune quand on voit la liste des, des blessés à Mercato plutôt bien géré et tout à coup on a Elia qui qui, qui se blesse on a Fasnar qui se blesse il faut il, il faut réagir euh, c'est quand même compliqué si on, on entend nos, nos deux compères miser sur sur eBay avec avec toute ces toute cette scoumoune c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la, la, la chance ni la réussite cette saison avec eux pour le moment euh, C'est tout l'inverse de Zurich, mais en même temps ils sont quand même deuxième. Et puis effectivement, avec, comme je l'ai dit avant, la victoire à trois points, ça va tellement vite euh, qu'il suffit d'une petite baisse de régime de Zurich. Par contre, IB va falloir qu'il fasse un parcours absolument parfait s'ils si veulent. Euh, ouais. Même chose pour Bâle, s'ils si veulent espérer quelque chose cette saison. Hein. Vous ne doutez pas quand vous voyez aujourd'hui euh, voilà concéder le, le, le match nul à, à grâce au Père euh se faire remonter de, de trois buts à. Je crois qu'Alain, à... Alain, il miserait pas sur IB. Hein. Non, je ne crois, euh, crois pas. Alors moi, je vais vous le dire. Actuellement, moi, je me base sur euh, ce que je vois, sur les chiffres. Effectivement, je pense que même si Zurich venait à perdre deux fois contre IB, va euh, est, est trop être Ça Reste quatre points, mmh. et IB peut encore perdre des points encore euh, lors de la confrontation contre Bâle. Et on l'a vu à Gatesy, à Ségal. Pour l'instant, n'est pas seigneurial. Non, mais c'est plus une occasion manquée de la part d'IB de, de, de grappiller deux points à Zurich, puisqu'ils jouaient après, ils connaissaient le résultat évidemment. Ils sont tout prêts d'obtenir les trois points. Plus une occasion manquée par rapport au retard qu'un que, qu véritable faux pas finalement. On passe de faire match nul à, à Getsy. Euh, Ce n'est pas scandaleux non plus. donc euh, Je crois pas de nouveau que c'est avec cette journée, cette 22e journée, qu'on est, qu est plus avancé par rapport à, aux connaissances qu'on avait à, la semaine passée, pour moi. Pourtant, plus on avance vers la fin, plus l'écart restant le même, plus on a des certitudes, non oui, mais il reste plus d'un tiers du championnat quand même, malgré tout. Donc il y a quand même des points à prendre. IBA, un effectif quand même assez large pour pallier le, le nombre important de blessés. S'il ne s'agit pas de blessures irrémédiables de plusieurs mois, j'ai l'impression pour la plupart de, des joueurs qui sont absents actuellement. On l'aura noté. Je pense juste, Alain, à une petite chose. Je, je crois que si chaque président félicite Zurich pour son titre... Zurich pourrait perdre quand même des points de temps en temps. <laughs> Salutations au président du, du f hein. C'est à lui dont vous faisiez euh, référence. Bon, on l'aura compris, Tibert, on, on a deux, deux débatteurs ce soir voilà, qui ne on changeront passe, pas, pas d'avis. On a euh, enregistré vos, vos pronostics de fin février à 14 journées de la fin du, du championnat. On verra, on va pas ressortir les archives parce qu'effectivement, on sait qu'en sport, tout peut euh, tourner dans un sens ou dans l'autre. Un club qui doit espérer que la roue tourne enfin en sa faveur, c'est bien évidemment le FC Lausanne Sport qui, euh, hier soir, euh, le Lausanne Sport d'Alain Casanova a concédé une, une nouvelle défaite, la quatrième consécutive sous euh, les de l'entraîneur français fraîchement arrivé qui euh, n'a pas eu énormément de temps euh, pour euh, pour travailler on rappelle que dimanche prochain Lausanne reçoit le FC Lucerne alors messieurs euh, hier soir on a vu à, à LS en 5-4-1 face à Balle au final des éléments qui conduisent sur un premier but un peu, un peu euh, malheureux. On a vu là un, un troisième but avec, avec des joueurs euh, plus que passifs, un deuxième but sur penalty avec intervention de la Moi j'aimerais juste euh, vous donner euh, quelques chiffres parce que c'est aussi mon rôle. Hier soir c'est deux tirs cadrés, sept ballons touchés dans la surface adverse. Depuis l'arrivée d'Alain Casanova, la moyenne de buts encaissés n'a pas... Bouger d'un iota, on était à 2-0-5 avant, on est à 2-0 aujourd'hui, alors il n'y a, y a pas encore euh, pléthore de match. Par contre, offensivement, au moins avant, Lausanne marquait un but de moyenne par match, aujourd'hui ne se crée quasiment plus une seule occasion. La question est simple, est-ce que pour se sauver, Alain Casanova n'est pas en train de faire fausse route dans ses choix tactiques c'est une bonne question, honnêtement. J'ai déjà évoqué la situation du LS à plusieurs reprises sur ce plateau. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, ça va bien au-delà du système. Si, on, si vous me demandez, donc je vais répondre, pour moi, système à sain, qui déjà il n'est pas adapté aux joueurs à disposition. Quand je vois Armel Zouri euh, qui joue central droite en Super League, euh, j'ai envie des fois de, de crier dans mon salon. Euh, il y a des joueurs qui jouent pas forcément à leur poste. Il y a des joueurs qui sont pas en forme. Donc voilà, j'avais déjà évoqué le fait de repasser dans un système basique. 4-4-2, adapté aux positions, adapté aux joueurs, au profil, avec Maou, Schmilman sur les côtés, avec Polero et Amdouni, des joueurs au profil complémentaire devant, Koukourouzovic très belle, voilà, mais je ne suis pas entraîneur, euh, Casanova est tous les jours à l'entraînement avec ses joueurs, il les connaît mieux que moi, euh, même si on est des suiveurs quand même de la Super League. Il y a plein de solutions, chacun se fera la sienne, euh, je n'ai pas la science infuse, mais c'est vrai que ce 5-4-1, il me dérange quand même un petit peu. Quand on se déplace au Parc Saint-Jacques, c'est jamais, jamais facile d'y aller euh, avec une tactique super offensive, surtout dans la situation de Lausanne. Je pense qu'Alain Casanova a joué sur le fait qu'il faut stabiliser un petit peu ce, ce, ce bloc défensif, et puis c'est pour ça qu'il a joué avec cinq défenseurs. Bon, c'est une option, après, euh, il n'a pas réussi encore à trouver les ressorts pour faire sortir le meilleur de ses joueurs, visiblement, manifestement, c'est ce qu'on voit, c'est ce que je, je constate depuis l'extérieur. Au-delà de ça, effectivement, il y a, a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte à Lausanne, euh, qui sont extra sportifs et qui ne sont pas forcément très bons signes quand on entend un petit peu ce qui se dit à gauche à droite. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que maintenant, les, les dés seront définitivement jetés. C'est-à-dire que dans le Cambodge, on s'est quand même euh, raccroché pendant pas mal de temps à cette date du 15 février euh, qui mettait fin au transfert. Et maintenant, c'est fini. Mmh. Et on pensait, on espère, côté Vaudois, encore le 14 au soir, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir, etc. Parce que c'est Ineos, parce que si, parce que ça. On, on voulait depuis euh, l'été un attaquant qui marque. On a eu des attaquants, mais ne marque pas. Et puis après, on voulait remplacer Puertas. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on fait entre le 10 et le 15 On engage deux latéraux. Euh, et le 15, maintenant, il est derrière. Euh, donc, problème tactique, dispositif, on peut dire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir faire avec ce qu'il a maintenant. Mmh. Il n'y aura, aura aucune nouveauté, c'est sûr. Mmh. S'il sauve mmh. ou s'il va au barrage, euh, Casanova, c'est avec les joueurs qu'il a en place. Alors, ça a du bon, c'est-à-dire que maintenant, il sait ce qu'il peut en faire. Il ne va pas compter sur une, une nouvelle arrivée. Mais d'un autre côté, c'est inquiétant parce que on aurait peut-être voulu euh, d'autres types d'arrivées, en tout cas en fonction des, des, des positions qui, qui manquaient. – Alors, on l'a vu avec euh, la surimpression, trois points dorénavant séparent Lucerne du FC Lausanne Sport, euh, différence de but largement des faveurs des Lausannois, ça, ça compte aussi, hein, même euh, en cas de victoire la, la, la semaine prochaine, Lausanne restera euh, dernier, sauf s'il gagne avec euh, plus de 5 buts euh, d'écart face au FC euh, Lucerne. Est-ce que justement, euh, j'entends le discours euh, stabilisé défensivement ça prend du temps. On n'en a pas beaucoup. Mais justement, euh, sachant que Lucerne vient le, le week-end prochain, est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenter quelque chose à, à un moment donné, hier soir, sur la pelouse de Saint-Jacques on, on est toujours plus malin. Hein on est ouais. toujours plus malin après. C'est clair, quand tu prends 3-0 à Saint-Jacques, tu te dis peut-être on aurait dû tenter de, de jouer en euh, 4-3-3, je ne sais pas. Et puis, euh, ouais. et tenter le tout pour le. Qu'est-ce qu'on a à perdre De toute manière, on va à Saint-Jacques. Euh, si on reste derrière, voilà, on, va essayer, on va essayer de jouer le 0-0. Et puis. Euh, on va prendre un point. Encore une fois, c'est des choix d'entraîneurs. Moi, je ne pense pas que Casanova, dans sa situation en arrivant au club, vis-à-vis -vis aussi de ses dirigeants, peut-être, euh, il va jouer la fleur au fusil au parc Saint-Jacques. Bon, euh, après, encore une fois, on est toujours plus malin après. Je pense que Lausanne, de toute façon, ils leur font un déclic actuellement pour euh, une performance, quoi. Vraiment, ça doit venir des joueurs hein, aussi, parce qu'on j'ai parlé de l'extra sportif, mais là, dans la situation où ils sont il va falloir que les joueurs ça, ça va venir du terrain quoi il faut qu ils... là ils ont un match décisif le, le, le week-end prochain là c'est l'opération commando quoi dans ces situations là c'est les joueurs qui, qui provoquent ce, ce, ce déclic là est-ce qu'on peut quand même se basait sur la première mi-temps, parce qu'Alain Casanova, alors on va aussi rendre à la ah, Casanova ce qu'il nous a dit en avant-match, il avait peur de la vitesse dans les, dans les couloirs, donc il voulait aussi renforcer euh, la première mi-temps, elle n'est pas à jeter, il n'y a pas tout qui est à jeter, on a vu de la solidarité, alors oui, un bloc bas, pas beaucoup d'ambition dans, dans le jeu, mais il y, y a quelque chose sur quoi construire justement pour... Le prochain match de dimanche prochain Oui, alors c'est toujours plus facile de bétonner et puis de mettre le bus derrière et puis d'espérer faire 0-0 à la mi-temps euh, à balle que d'avoir de, 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 un jeu offensif et puis flamboyant et puis marquer des buts, euh, des beaux buts, ça c'est clair. C'est toujours plus simple. Après, voilà, ça demande du temps, euh, il ne l'a pas parce que la situation elle est alarmante. Il y a des éléments euh, sur lesquels se raccrocher, notamment le fait qu'il n'y a que 4 points. Euh, c'est pas non plus, euh, c'est pas irrémédiable. Euh, on en parlait avant pour euh, la course au titre, ben, ça va aussi dans l'autre sens. Il euh, y a un match important qui arrive. Une victoire ferait peut-être, on parlait d'expérience de, positive, d'événements positifs, bah, une victoire dans le match décisif contre Lucerne bon. euh, ferait peut-être beaucoup de bien à une équipe qui est relativement jeune, qui a peu de vécu commun justement, euh, qui doit créer un groupe. Ben, Ce n'est pas un groupe le LS avec toutes ces recrues-là. Donc voilà, il y, y a des éléments sur lesquels se reposer, se baser, mais à condition de faire un bon résultat contre Lucerne. Ouais, moi, je rejoins le mot déclic. Alors, le déclic, il peut, il peut arriver par l'attitude qu'on n'a pas encore véritablement vue sur les visages, dans la combativité des, des, des Lausannois. Et puis, il doit venir euh, par un résultat. Alors, quoi de mieux que d'avoir ce déclic face à Lucerne, en confrontation directe mais pour l'instant, on n'a on pas eu de déclic ni sur la, la, la mentalité, euh, la volonté d'être un mort de faim, comme je disais avant, ouais. puisque les deux équipes vont affronter le, le leader bientôt, euh, ni sur, sur, sur un résultat positif. Et pour avoir un résultat positif, bah, il faut marquer. Il euh, n'y a pas un but depuis, euh, depuis quatre matchs, euh, y compris le, le match de Coupe, euh, depuis l'arrivée de Casanova. Donc. Euh, euh, C'est compliqué de marquer. C'est compliqué, aussi, compliqué ouais. de marquer quand tu mets à chaque match un bloc bas, quel que soit ton adversaire, avec des joueurs qui, lorsqu'ils récupèrent le ballon avec ces systèmes de piston ou lorsqu'ils récupèrent le ballon sur le côté, ils sont à 70 mètres des buts et ils ont le pauvre Amdouni tout devant qui, qui fait des appels comme ça et puis on lui donne des ballons sur la poitrine. Il est tout seul pour jouer, et il n'a personne pour remiser. C'est compliqué de s'approcher du but quand on fait des récupérations à 30 mètres de ses buts. Est-ce hein. voilà. si le bloc bas à Saint-Jacques se justifie plus que, voilà. que le futur bloc bas non, Ouais. À la maison, enfin, mais, mais au final le bilan froid, c'est 3-0 balles, on rentre à la maison avec zéro points dans l'escarcelle et puis et, et les semaines se répètent. Euh, c'est compliqué d'aller à balle, hein. peu importe l'équipe, peu importe le système, peu importe la situation. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas forcément d'amélioration, en tout cas sur le plan offensif depuis la reprise J'aimerais vous lancer sur ce que vient de dire euh, Jérôme, et en substance, c'est ce qui sort de la bouche à chaque intervention de Mario Frick depuis qu'il est à la tête de Lucerne. Mmh. Je veux voir un état d'esprit, et on a l'impression, et j'ai utilisé cette image puisque j'étais à, à Bâle au, au commentaire de cette rencontre, que qu'on voit des bons petits soldats qui appliquent, qui sont très disciplinés, mais on ne voit pas des guerriers. Et aujourd'hui, on voit encore Lucerne à Servette, conquérant, euh, à la 87e minute, partir à 5 à l'abordage, alors qu'il y a 1 à 1 et qu'on pourrait se dire, on fait, euh, on fait la bonne opération, on prend 3, 3 points d'avance sur, sur Lausanne. Comment on peut euh, activer les leviers pour que. Euh, bah, euh, y, 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 les gars, on joue notre place de travail, on doit, on doit mettre plus Il faut le faire comprendre aussi aux joueurs qui sont en prêt, qui ne sont pas forcément voilà. extrêmement impliqués. Voilà. Euh, c'est ça le problème ouais, dans les deux vestiaires ça, si on compare Lucerne et Lausanne. Non, on on a sûr, déjà beaucoup sûr. parlé du mercato. Moi, je, ça fait deux week-ends que je suis ici avec vous, j'en parle à chaque fois. Euh, je vais. Oh, désolé. Non, 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 mais on n'a pas toujours les mêmes téléspectateurs, mais c'est redondant comme discours. C'est au final, c'est très risqué de, de faire venir à chaque fois des joueurs en prêt, des joueurs qui ne sont pas en condition physique, des joueurs qui n'ont pas joué depuis six mois. Le recrutement de Lucerne, on le compare au recrutement du LS, il est largement supérieur. Ils prennent Simani, qui, fait, qui est un défenseur de Vaduz, qui ne fait pas rêver, mais qui connaît la Suisse, qui a un dur au mal et qui fait beaucoup de bien dans cette arrière-garde aux côtés de Bourg. Et qui répond aux critères et de Mario qui qui Frick. Fric. Ils ont pris un entraîneur qui connaît parfaitement le championnat. voilà La différence de Casanova, qui, je, je le connaissais de la Ligue 1, qui faisait des bonnes choses à Toulouse à l'époque, mais qui, qui lui-même l'a dit, ne connaît pas les adversaires. Euh, à la couche, euh, ne connaît pas le championnat suisse. connaît quand elle arrivait, il est arrivé, il ne connaît pas le championnat suisse. Trébel ne connaît pas le championnat suisse. La liste, elle est comme ça, hein, mais on se répète, donc je vais me taire maintenant et puis on va laisser les Lozanois essayer de nous faire une belle surprise contre Lucerne le week-end prochain. Mais il y a des recrutements, des mercatos qui sont entre les lucernois et les Lozanois diamétralement opposés. Et ça, à six mois de la fin d'une saison, ça peut avoir une, des incidences très très importantes. Oui, je pense que Mario Frick, en plus, euh, il a déjà son, son discours hein, pour parler, pour s'adresser à des joueurs qui doivent se sauver, euh, qui doivent jouer des, ouais. des matchs coup près. Il je pense qu'il qu connaît un tout petit peu, donc. Euh, euh, ah. Il va pouvoir l'appliquer. Je ne sais pas si Casanova avait vécu des. des pas Toulouse, oui, Toulouse, on l'a vécu, euh, bien sûr. Mais en l'occurrence, Mario Frick, il connaît. Il est, il est un petit peu l'homme de la situation. J'ai envie de dire celui qui connaît peut-être plus dans le championnat suisse la situation où, où il faut absolument se battre avec une équipe en dessous pour se sauver. Rendez-vous est pris dimanche 16h30 avec euh, eh bien, ces doubles confrontations liées au débat de, de ce soir. Zurich reçoit le FC Bâle pour le haut du classement. Et en parallèle, nous suivrons également Lausanne-Lucerne avec euh, un objectif euh, diamétralement. Opposé. Messieurs, euh, j'avais un, un, un thème que j'avais euh, bien sagement euh, gardé au chaud pour cette fin d'émission. Des, des euh, je ne sais pas si vous avez eu le, le bonheur de lire euh, la très longue interview accordée par euh, euh, Gaël Clichy à notre collègue euh, du Blick Hugo Curti oui, c'est le cas. Ouais. Parfait. Euh, euh, on sait que Clichy arrive euh, au terme de son contrat de joueur à, à Servette, qu'il aimerait euh, rester à, à Genève, qu'il aimerait pourquoi pas encore jouer. Mais euh, phrase intéressante, j'aimerais euh, pourquoi pas euh, me lancer. J'ai envie euh, de devenir entraîneur dans le futur. Vous y arriver, le raccourci est tout trouvé. Alain gaillière. Euh, terminerait son contrat en 2023. 5 ans passés à la tête de Servette, alors loin de nous l'idée de mettre Alain Geiger à la retraite ou loin du banc de Servette, mais est-ce que Gaël Clichy, successeur d'Alain Geiger pour la saison 2023-2024, c'est une fausse bonne idée Pour moi c'est une, une fausse bonne idée, oui tout à fait, parce que ça serait faire injure au travail d'Alain Geiger à Servette, qui a été très critiqué par moment, mais qui au final a la plus longue long longévité parmi les entraîneurs de Super League, et c'est pas anodin non plus. Malgré euh, contre vents et marées, il a tenu sa barque et au final, Servette s'est imposé comme un club euh, stable, performant en Super League. Un club de mieux de tableau cette année, mais ça reste quand même euh, du bon boulot fait par Alain Alinguer. Euh, et j'ai lu cette interview de Gael Clichy qui est très très intéressant, mais je le vois plutôt, j'ai plutôt compris que dans un premier temps, il parlerait plutôt de l'académie et, et le Servette FC doit se baser sur son ex expérience. Ça serait vraiment une énorme euh, euh, erreur de, de se passer de ses services et de sa carrière exceptionnelle. Et si je vous dis 2025 ou 2026, du coup ou... Non, je crois qu'il faut quand même. S'adhérer ah, Tant je... qu'il ait fait son, son bagage, l'entraîneur il, il, il faut prouver. Ce n'est pas parce qu'on a été un super joueur qu'on peut être un super entraîneur. Il y en a plein d'exemples qui, qui nous le montrent. Et il faut lui laisser le temps de se former avec les 18 et peut-être avec les 21. Ou peu importe, peut-être même depuis les plus jeunes. Et lorsque le temps sera venu, un joueur comme lui aura forcément des chances de, 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 dans le monde pro. Vu depuis Genève, avec son implication, son professionnalisme, ce serait presque euh, du gâchis de le laisser filer Ah, De toute façon, il a un profil extrêmement intéressant. Euh, c'est un leader. Des échos que j'ai dans le, le vestiaire, c'est vraiment quelqu'un sur qui euh, l'équipe se repose. Hein, vraiment. Et il donne des super conseils aussi aux jeunes. Il est proche d'eux, mais il est aussi super exigeant quand il faut l'être. Non, Il a vraiment un profil, je pense, d'entraîneur dans, dans le futur. Après, effectivement, il doit, il doit être... Bon, déjà, il faut passer des diplômes, mais ça, c'est pas une mince affaire. En Suisse, alors je ne sais pas s'il si va les faire en Suisse, mais... En tout cas, en tout ah, ça cas, ça peut, j'ai le ferai en France. Ouais, hein. moi euh, aussi. C'est un peu plus rapide qu'on a <laughs> été pro aussi. en France. Je crois que c'est l'Irlande le plus euh, rapide. Ouais, sinon, sinon, voilà. Sinon, bah, bon. Je pense qu'il a aussi des, des infos du côté de l'Angleterre. Ouais. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Et puis, effectivement, après, il faut faire son expérience d'entraîneur. Des fois, ça commence dans des lignes inférieures. Des fois, ça commence avec des, des plus jeunes. Et puis, après, on peut aspirer à être entraîneur d'une équipe professionnelle. Mais avec l'aura qu'il a et puis, effectivement, avec l'expérience du très haut niveau, c'est un profil super intéressant pour Servette dans les années à venir. Alors, comme vous avez vu l'article, hein, il a tout de suite précisé, il y a un staff en place. Mon, mon ambition n'est pas de, 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 de jeter qui que ce soit. Donc, effectivement, là, ce n'était pas les, les, les propos hein, de, de parler d'Alain mais vous Gaël Clichy, vous le voyez euh, sur le banc euh, d'une grande équipe euh, européenne suisse, pas moi, du je, tout euh, tout ce que je voulais dire vient d'être dit euh, c'est sûr qu'un un bon, un bon joueur n'est pas forcément un bon entraîneur, c'est une chose euh, euh, il faut du temps pour devenir entraîneur, euh, sur pour le pour la paperasse mais aussi sur, 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 sur la pratique c'est euh, improbable, je pense que c'est improbable pour l'instant, moi ce que je retiens de cet article c'est je suis bien en Suisse avec ma famille et j'ai envie de devenir entraîneur et il joue à Servette, donc je pense qu'il pourrait être entraîneur partout, sauf à Servette. Ce serait moins impro improbable qu'il finalement atterrisse ailleurs, après avoir fait peut-être ses armes avec les juniors, que d'être entraîneur de la, de la première équipe. Et je ne crois pas qu'il y a, a pour l'instant besoin de remettre en question Alain Gaguerre. On parle de 23. Est-ce qu'il y aura reconduction Est-ce qu'il y aura peut-être besoin d'un entraîneur avant 2023 Messieurs, vous chipotez avec euh, le côté administratif, mais un jour de 36 ans, avec le vécu mm -hmm. de, de Gaël Clichy, qui a connu euh, les plus grands clubs d'Europe, l'équipe nationale de France. Euh, il a déjà un comportement de leader, donc quelque part, il gère pas le groupe, mais quelque part, le on, se fait, on se fait déjà les, on, on se fait déjà les, les, les ficelles d'un entraîneur, non Bien sûr. Quand on a cette attitude. Bien sûr. Et, et Guéguer aurait tort de ne pas, se, de, de pas mettre à contribution justement l'expérience et puis les qualités de Gaël Clichy, même en tant que joueur. D'après les échos qu'on a, c'est le relais justement d'Alain Guéguer. Il a déjà un rôle qui va un petit peu au-delà du, du joueur pur et simple, mais c'est normal vu sa légitimité. Oui, oui, non, mais de toute façon, quand on a connu le très haut niveau, quand on a connu des entraîneurs mmh. tels qu'il les a connus, Pep Guardiola, pour ne pas le nommer, euh, notamment, je crois que euh, on, on acquiert des, des compétences, même, je dirais qu'en écoutant l'entraîneur, on, on, on en pile, on en magazine des informations hyper intéressantes pour un futur euh, profil d'entraîneur comme il l'a lui. Donc, c'est vraiment, vraiment, je pense... Euh, Vu les, les, les qualités de, de meneur d'homme qu'il a, je pense qu'il a vraiment un profil d'entraîneur à l'avenir, mais encore une fois, c'est beaucoup de travail, beaucoup. Figurez-vous Alain qu'il n'y a pas de passe droit, même si on a été un grand joueur. <laughs> il n'y a pas de passe droit, surtout en Suisse, donc je pense qu'effectivement, il est franc en Angleterre ou en France, mais il a de toute façon, il a de toute façon des qualités de, de meneur qui vont faire de lui probablement un entraîneur à l'avenir. Je n'en pense pas, moi, je suis tenu par le devoir de réserve, ayant moi-même passé mes diplômes d'entraîneur, messieurs, qu'on <laughs> ah se le dise. <laughs> voilà, bah, écoutez, le football ne s'arrête jamais, mais les 45 minutes de débat avec des débatteurs aussi passionnants filent à une vitesse grand V. Le football revient, la scène européenne revient mardi soir avec deux affiches que j'ai notées. Voilà, ici, Chelsea qui défie le LOSC et la Juventus en déplacement à Villarreal. On suivra attentivement la première de Blaovic sur la scène européenne. On vous a entendu ce soir, Jérôme, un futur grand. Merci, Jérémy. Merci, Thibert. Merci, merci Jérôme. Merci à vous pour votre fidélité. À très vite sur Sports.